Roger! Roger Beaulieu! Oui, oui, Henri! J'arrive de voyage, je viens d'apprendre que le gros lot n'est pas encore sorti, le gros lot de 5000 $, mais est-ce que vous êtes certain qu'il est dans un des œufs? Ben oui, voyons, Henri. Regardez bien. Tiens, voilà! Ah! Oui, le gros lot voit encore ce soir la somme de 5000 $ à la poule aux œufs d'or! Vous est présenté chaque lundi soir avec les hommages de la brasserie Molson Limité, brasseur de la bière Molson. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à la poule aux œufs d'or. Nous avons en effet toujours notre gros lot de 5000 $. J'arrive de vacances, puis il est encore ici. J'espère bien qu'il sera gagné ce soir. Toute l'équipe est au complet ce soir, les vacances sont terminées à la poule aux œufs d'or. Alors nous allons commencer en vous présentant notre animateur, l'aviculteur le plus généreux du monde, Roger Beaulieu. Hi! Alors, moi, je vais faire ça comme ceci. Oui, on va tous faire ça ensemble. Là. Ça, c'est le signe de bonne chance là, pour que le gros lot sorte ce soir. Hein. Alors, on va vous présenter nos deux belles hôtesses. Voici d'abord Cécile Lebel. Bonsoir, Cécile. Et Liette Desjardins. Bonsoir, Liette. Ah, c'est pas tout d'avoir de belles hôtesses comme ça, il faut les faire travailler un petit peu, je sais que c'est très agréable pour elles, alors Cécile va d'abord nous présenter les participants du premier jeu. Voici de Montréal, mademoiselle Huguette Lepage. Bonsoir mademoiselle Lepage, si vous êtes nerveuse, ne le soyez pas, ça va bien se passer, vous allez voir ça. Et de Ville-Saint-Michel, monsieur Georges Ayotte. Vous n'avez pas l'air d'un garçon nerveux, vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Chauffeur d'autobus, c'est jamais nerveux, ça, hein? Vous êtes aguerri à toutes sortes de choses, vous, hein? On fait notre possible. Et vous, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites? Je meurs à la maison. À la maison, en ce moment, oui, vous ne faites rien? Non. Chanceuse, ouais. Alors, voici les petites sonneries. Allumez dans la vôtre. On va voir si elle fonctionne. La vôtre, elle ne peut pas s'allumer en même temps. Si vous savez la réponse aux questions que je vais poser, vous allumez votre petite lumière, puis on entend la sonnerie, puis ça marche. Vrai ou faux? Un clinomètre. Est-ce vrai ou est-ce faux, ça? Un clinomètre est un appareil servant à mesurer une inclination par rapport à un plan horizontal. Est-ce que c'est vrai ou si c'est faux? Si vous pensez que c'est vrai, vous allumez la lumière. Si vous pensez que c'est faux, y tout. Vrai. C'est vrai, vous avez raison, vous avez bien fait de prendre une chance là-dessus. C'est parfaitement vrai, c'est ça un clinomètre. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Là. Bon, est-ce que c'est Sir Wilfrid Laurier, M. Jean Lesage ou M. Diefenbaker qui fut premier ministre du Canada de 1896 à 1911. Sir Wilfrid Laurier. Sir Wilfrid Laurier, vous n'en rappelez pas parce que c'était avant vous, mais vous connaissez bien votre histoire du Canada. Très bien, 5 à 5. Est-ce que c'est le bleu, le vert ou le rouge qui est la couleur de l'émeraude? Rouge? Non, c'est vert, l'émeraude, c'est vert, c'est dommage. Vous en avez perdu une, vous en avez gagné une. Vous pouvez encore vous rattraper, là. Est-ce que ce sont les branchies, les écailles, est-ce que ce sont les branchies ou les écailles qui servent de poumon aux poissons? Les branchies. Les branchies. Eh bien, vous êtes rendu à 15 et vous avez gagné. Monsieur, mademoiselle, vous avez gagné 5 piastres. Les voici, vous recevez en plus un beau prix de consolation. Merci d'être venu à la poule aux œufs d'or. Eh bien, monsieur Ayas, votre nom, hein? C'est ça. Vous avez gagné 15 piastres, les voici. Maintenant, vous avez à vous choisir un. Numéro 4. Oui, certainement, le numéro 4. Bien sûr, le numéro 4, c'est Ayas qui va aller le chercher. Qui vous accompagne ce soir? Tout seul. Vous êtes venu tout seul? Oui, comme un grand garçon. Comme un grand garçon. Oh, pardon, Liette. Excusez-moi. Alors ça, c'est l'œuf que vous avez choisi. Et vous n'avez pas fait chanter le coq, quoi. C'est dommage, vous auriez eu un prix supplémentaire. Retournez-vous. Choisissez une de ces belles enveloppes. Tiens, celle du dessus. Voilà. Alors, monsieur Ayotte. 125 piastres, monsieur Ayotte. Vous êtes obligé de décider tout seul, par exemple. Si vous allez prendre le 125 piastres ou bien le contenu problématique de l'œuf, vous avez 10 secondes pour ça.
C'est un choix difficile quelquefois. Mais vous êtes tout seul ce soir pour faire ça. Vous allez prendre l'œuf et vous nous... Oh là là! Vous êtes un garçon courageux. Je vais vous souhaiter bonne chance. Alors on va tous regarder ensemble ce qu'il y a dans... Oh là là! C'est une machine à laver la vaisselle portative de marque Kelvinator. Une valeur de $250. Est-ce que vous êtes marié? Oui. En aviez-vous une? Non, non, non. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir? Vous avez votre femme a cessé de laver la vaisselle. C'est elle qui va être contente. J'espère que vous êtes contente. Oui, oui. Merci d'être venu à la Pôle aux Odeurs et nos félicitations. Eh ben, c'est beau ça, hein? Voilà. Alors, Liette va nous présenter d'autres participants. Eh bien, c'est maintenant le tour de Mademoiselle Huguette Rousseau de Montréal. Mademoiselle Rousseau de Montréal, bonsoir et bienvenue. Et Monsieur Oscar Collerette de Montréal également. Bienvenue à vous également, Monsieur Collerette. Quelle est votre occupation à vous? Peintre. En bâtiment. En bâtiment. Oh, c'est comme ça que vous faites ça. En haut, en bas. En haut et en bas. Commencez-vous par le haut ou par le bas? J'aimerais bien savoir ça. Il y a longtemps que ce problème-là m'inquiète. Il y a quelque chose, mais faut pas le dire. Faut pas le dire. C'est un secret du métier. Et vous, qu'est-ce que vous faites, mademoiselle? Oui, vous êtes employé dans une épicerie. Alors, bonne chance à tous les deux. Si vous pensez savoir la réponse, vous pesez là-dessus. Le véritable nom de la bête puante, est-ce que c'est le putois ou la moufette? La moufette. C'est la moufette, vous avez raison. Je vous ai bien vu faire, vous aussi. Bon, on va se débarrasser tout de suite de ces petits animaux-là, et puis on va se lancer dans la petite question que voici. Est-ce que c'est Saint-Jean-Baptiste de la Salle? Est-ce le frère Marie-Victorin? Ou le frère Clément Lockwell qui a fondé les frères des écoles chrétiennes? Celui du premier, je l'ai pas entendu. C'est lequel? Est-ce que c'est le premier, vous dites? Non, mais c'est... Celui qui vient après le premier? Lockwell, là. Lockwell? Oh non, c'est pas Lockwell, Lockwell. Oh non, c'est Saint-Jean-Baptiste de la Salle. C'est Saint-Jean-Baptiste, là. Non, le frère Clément Lockwell, c'est un... Non, c'est pas lui, c'est... D'abord, ça fait longtemps que... Lui, il est contemporain, il est vivant toujours, le frère Lockwell. C'est pas lui qui a fondé ça. D'ailleurs, c'est pas son ordre. Vous êtes rendu à... Il a besoin de vous dépêcher, vous, là. Combien y a-t-il de mois dans l'année qui ont 31 jours? 12, il y en a. Non, c'est il y a deux. Non, il y a des mois. 12 mois. Oui, mais... Il y a de la moitié. Je vous ai demandé combien il y avait de mois dans l'année qui ont 31 jours. Or, il y a le mois de février qui en a 28. Vous savez, il y en a le premier en a 31, ensuite 28. Il y en a 7. C'est divisé en deux. Comment c'est divisé en deux? C'est pas du tout divisé en deux. Il y a 7 mois dans l'année qui ont 31 jours. Ah oui. Eh bien, ça vous fait perdre le jeu, ça, monsieur. Vous avez quand même gagné un beau prix de consolation. Merci beaucoup. Mademoiselle, c'est avec plaisir que je vous remets $15. Vous avez maintenant une chose agréable à faire, c'est de vous choisir un œuf. Le numéro 8. Le numéro 8, certainement. Alors, c'est Cécile qui va aller vous chercher. Qui vous accompagne ce soir? Mon fiancé. Ah, votre fiancé, là, dans la salle. Ah, bon. J'espère qu'on l'a placé, bien placé, là. Bon, ça, là... Il y a des choses qu'une fiancée aimerait bien avoir à l'intérieur de ça. Vous allez maintenant aller vous chercher une enveloppe, s'il vous plaît. C'est le jeu. C'est le montant d'argent ou ce qu'il y a dans l'œuf. C'est toujours un petit risque. Vous avez choisi une enveloppe qui vaut la somme de $95. Si votre fiancée est là, vous pouvez le consulter parce que j'ai l'impression que quand on est fiancé, on prend maintenant ce genre de décision à deux. Et pendant ce temps-là, nous allons en musique compter 10 secondes. Vous obéissez au fiancé, je l'ai vu faire le fiancé, il fait ça lui aussi. Bon, alors on prend l'œuf? On prend l'œuf. Alors on va écarter les poules là, voici ce qu'il y a dans votre œuf. C'est le fiancé qui va en profiter. C'est un ensemble complet pour le bricoleur, une valeur de $225. Voyez, vous y avez gagné au change. Au revoir, mademoiselle. Merci d'être venue à la Pôle aux Odeurs.